sept 7h48, Sonia Devillers, vos invités ce matin sont les enfants de Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix. Ils ont 17 ans, ils sont réfugiés à Paris, à 5000 kilomètres de leur mère, prisonnière politique en Iran. En décembre, c'est eux qui sont allés à Oslo recevoir le Nobel à sa place. Ils ont lu un discours qu'elle avait réussi à faire sortir de sa cellule. Et là, vous trouverez en librairie une enquête témoignage édifiante, intitulée « Torture blanche », parue chez Albin Michel. Narges Mohammadi documente le pire des sévices. Infligée par le régime aux femmes qui osent s'opposer, une torture qui ne laisse pas de traces. Kiana et Ali Rahmani, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Voilà, bonjour. Je précise que vous êtes jumeaux. Approchez-vous de votre micro, Kiana. Voilà, rien de décidément hein, ne fera taire votre mère, même pas son enfermement. Donc c'est encore un texte hein, qu'elle a réussi à faire sortir de sa de sa prison. Et pourtant, le prix Nobel n'a fait qu'aggraver ses conditions de de, de détention. Qu'est-ce que ça a changé concrètement pour elle au quotidien Ali. Alors, il euh, faut savoir que ma mère est quand même, et de maintenant, aujourd'hui, est quand même très très isolée. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est complètement normal. Ses géoliers, ces bourreaux, essayent de vraiment la faire taire. C'est une stratégie que, que le gouvernement islamique fait très très souvent subir aux prisonniers et prisonnières politiques iraniennes. Aujourd'hui, ma mère, elle représente quand même un symbole. Pas forcément pour toutes les Iraniens, mais quand même pour une petite partie. C'est quelqu'un qui a fait en sorte que la prison de soit euh, un lieu. De protestation, quelque chose qui est quand même incroyable. Je, je, je vous rappelle que la prison Tevin, c'est quand même euh, l'endroit où, où on fait taire des prisonniers politiques iraniens et iraniennes. Et ma mère, aujourd'hui, avec un ses coéquipiers, euh, dans ouais. premier temps, ouais. et avec ses coéquipiers, co ses co-détenus, elle a fait en sorte que cet endroit-là devient ouais. un lieu de résistance. Ouais. Sauf que. Plus, plus ça va, plus on la coupe de l'extérieur. Elle, elle, elle a plus le droit de téléphoner, par exemple. Votre euh, mère. Oui, euh, ça fait deux ans qu'on peut plus euh, l'appeler et on n'a plus euh, contact euh, directement avec elle. Euh, on a eu des contacts, mais indirectement, c'est-à-dire euh, elle peut appeler deux numéros. Ce sont euh, euh, ceux de, de personnes qui vivent en Iran et on avait des contacts indirectement mais euh, des nouvelles d'elles grâce à eux mais maintenant euh, depuis deux mois euh, tout contact a été coupé plus de visites plus d'appels plus rien depuis cinq mois depuis, depuis cinq mois ah, oui. depuis cinq mois en fait depuis depuis l'annonce du Nobel ou, exactement ou quasiment non, plus vrai. plus de visites non plus non exactement, plus de visites oui. tout est coupé tout est, est pour l'isoler et la faire taire. C'est la stratégie qu'ils ont adoptée contre ma mère, et d'ailleurs pas que ma mère, également d'autres prisonnières politiques. C'est ça, hein, je vais expliquer. Hein, la torture blanche, euh, Narges Mohammadi, votre, votre maman, euh, elle raconte sa propre expérience dans le début du livre, et ensuite elle interroge ses coéquipières. C'est joli, elle lit coéquipière, c'est mieux que co-détenue, vous avez raison, euh, parce qu'on sent qu'il y a une vraie solidarité. Elles forment une équipe euh, ensemble. Euh, elles, elles étaient 60 dans, dans, la, dans la grande cellule. 209. Voilà, dans, où elle, elle était. Retenues et, et les unes après les autres, elle raconte ses mises à l'isolement. Et Narges Mohammadi, elle dit La mise à l'isolement, c'est la mère de toutes les tortures en Iran parce que l'isolement ça fait craquer psychologiquement, Exactement. Ali. Bah en fait, justement, la torture blanche, c'est justement comme vous avez dit que parler de l'isolement. Mmh. L'isolement fait en sorte que la personne, le prisonnier politique iranien, craque, mmh. qu'il fasse des aveux qu'il n'a pas envie de faire, qu'il n'a même pas commis. Ça peut être des prisonniers politiques iraniens, et parfois ça peut même être des personnes qui n'ont strictement rien fait, qui se sont juste trouvées dans le jeu que le séPA que le gouvernement, que le, les gardiens de la révolution crée de toutes mmh. pièces. Ces personnes-là vont se trouver dans ce jeu, vont être accusées d'espions, de tueurs, etc. Et ils peuvent être exécutés, ils peuvent être torturés et des choses complètement terribles. Et ma mère, justement, dans cette clip-là, elle essaie de dénoncer cela. C'est ça. Que la, tor que, la torture blanche, la torture invisible, parce qu'il ne laisse pas de traces, mais qui est quand même bien présent, doit être abolie et elle continuera jusqu'à la fin. Alors, Kiana, comment ils, sortent de, comment ils sortent de cette prison, ces écrits, ces lettres que, qui sont publiées dans le monde entier, ce livre qui, a, qui paraît là aujourd'hui c'est Albin Alors, Michel. je pense que si je vous donnais les tuyaux, mmh. <laughs> ma mère aurait bien. une grosse peine. Euh, je ne peux pas dire exactement comment elle les fait sortir, parce que bah, c'est confidentiel. Et surtout, je ne suis pas au courant, parce bah, ouais. que très peu de personnes sont au courant. Elle et, et je mieux. pense quelques personnes. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle réussit à les, à les faire sortir. Mais attention, ce n'est pas, pas des cadeaux qu'elle envoie. Évidemment, euh, c'est considéré comme criminel. Donc ensuite, on lui rallonge sa peine. Donc on lui ouvre des nouveaux dossiers. Elle en a déjà deux non, en non. cours euh, qui n'ont pas été euh, ouverts. Sa peine a été encore alourdie. Évidemment, bah oui, elle ah, a envoyé le discours à Nobel. Et elle envoie plein de lettres en ce moment. Donc oui, bah c'est considéré comme criminel. Et alors, Kiana, comme vous, vous pouvez plus du tout lui, lui parler là-dessus. Depuis quelques mois, en fait, vous découvrez ces lettres en même temps que nous tous C'est ça euh, Oui, c'est ça. En fait, je trouve que c'est pas très normal, même voire pas du tout, pour avoir des nouvelles de sa mère, taper son nom sur Google, c'est ce que je fais, pour euh, bah ouais. voir les nouveautés, les nouveaux articles, c'est comme ça que j'ai des nouvelles d'elle. Euh... Et donc, aucune personne de la famille n'a pu. En fait, elle. Qu'est-ce qu'elle a su du Nobel en fait Qu'est-ce qu'elle a su de la cérémonie de remise alors, de prix euh, au mois de décembre Je sais qu'il euh, y a beaucoup de bruit à Evin. Donc il euh, y a des co-détenus qui se passent les messages, etc. On ne sait pas comment euh, ils les savent, mais il y en a qui ont toujours le droit au téléphone. Donc je pense que c'est comme ça qu'ils l'ont appris. Mais euh, je pense que c'est par les bruits et surtout euh, ma mère l'a appris puisque le gouvernement iranien était en train de cracher sur le Nobel et sur elle. Ah, ça, donc c'est comme ça qu'elle l'a appris. Pas plus, ça ne l'aura pas pu ah, bah, du, euh, du tout et elle, elle a entamé hein, une grève de la faim ouais, juste après le. L'annonce. Euh, comment ça s'est passé pour vous Là, la... ben, vous êtes montés, Vous étiez habillés en noir. Vous êtes montés tous les deux sur la scène. Vous aviez laissé une chaise vide hein, qui, oui. qui représentait l'absence de, de votre maman. Euh, vous avez lu son discours. Gros trac Ouais, ça va. <laughs> ça va, gros Moi, Personnellement, au début, c'était le cas, mais je me suis retourné, j'ai vu le visage de ma mère et je me suis dit. Parce ça va. Avait grand exactement, ça ça un ouais. ouais. Ça Je va me aller. Que, Franchement, ça va aller. Ouais, bah, elle aurait été euh, vraiment, à mon avis, très, très fière. Euh, très, très fière On, euh, On de, de vous. Alors, il faut savoir que Ali et Kiana, vous avez une vie euh, très particulière. Euh, vos deux parents font figure d'ennemis public numéro un en Iran. Hein, Ce n'est pas commun. L'histoire d'un enfant, votre père, euh, Taghi Ramani, militant des droits humains. Lui, il est arrivé en France un peu avant vous. Il est arrivé en France en 2012. Il avait déjà fait 15 ans de prison, c'est ça elle temps prison, 14 ouais. ans. 14 ans. Et même RSF lui avait décerné le prix du journaliste le plus emprisonné, ce qui arrive quand même rarement. Vous avez un petit peu vécu avec vos deux parents en même temps Seulement 4 oui. ans. Seulement 4 ans Mais c'était de notre première année jusqu'à notre quatrième. C'est ça. Et ensuite, il y en a toujours un qui était. Et parfois, aucun qui était là. Mais on a plus vécu avec euh, en papa prison. que maman. maintenant, bah oui. Maintenant, ouais. ouais. ouais c'est ça. Donc, vous vous êtes arrivé en France en 2015. Exactement. Vous parliez un petit peu de français. Ah, pas du tout, pas un seul mot. En fait, on savait pas qu'on allait s'installer. On nous l'a appris euh, après un mois de visite. On était censé. On allait servir de moyen de pression sur ma mère, et du coup, c'était vraiment mieux qu'on vienne s'installer en France. Exactement. Et ça, parce que c'est quelque chose dont elle parle, hein, Nargesa euh, Mohamadi, dans, dans le début du, du témoignage, dans Torture Blanche. C'est-à-dire qu'il y a eu les mises à l'isolement avant votre naissance, et puis il mmh. y a eu les mises à l'isolement après votre ouais. naissance. Et là, on sent le, le, le poids de la maternité, parce que c'est dur d'être ouais. séparé de ses enfants. Donc, en fait, malgré vous, vous faites partie de cette histoire. Euh... Mmh. <laughs> et vous savez, ma mère, c'est quelqu'un de très, très forte. Et aujourd'hui, ouais. les femmes iraniennes, les militants et les militantes iraniennes sont déterminés. Ouais. Ils ne sont pas guidés par la haine et la désespoir, mais pas par cela. Par quelque chose d'encore plus grand l'espoir. Et, et la, la liberté. La, oui. la liberté, exactement. Du coup, cela donne encore plus de force. Malheureusement, aujourd'hui, pour la liberté, on doit faire des sacrifices. Ces sacrifices-là ne sont pas normaux. Je tiens à préciser, ce n'est pas du tout normal de ne pas voir ses enfants, que, un, que les enfants ne puissent pas parler à leur mère. Mais aujourd'hui, en Iran, c'est une réalité. Certaines personnes très courageuses sont prêtes à faire ces sacrifices-là. Ma mère en fait partie et n'est pas la seule. Il faut très très bien la souligner. Ça veut dire qu'elle vous a sacrifié non, cause, euh, non on ne peut pas utiliser ce mot sacrifier, mais elle a sacrifié elle donné, sa famille. Elle s'est donnée elle pour, voilà. la, que, pour la. Sauf cause. que c'est bon de le rappeler quand même que ma mère, si aujourd'hui, elle se bat en Iran. C'est aussi pour ma soeur et moi, pour que dans notre pays, mmh. on ait autant de droits que bah, ma sœur ait autant de droits que moi. Ça aussi, il faut le signaler. Vous pensez en que vous y retournerez? On, ah, on espère évidemment. Bon, ah, oui. pas en ce moment, parce que je pense que dès qu'on mettra les pieds, à restation <laughs> vu ça, ce qu'on a sûr. fait. Mais voilà. Il faut parler aussi, parce que ça fait partie de l'arsenal pour la faire taire du fait qu'on lui refuse des soins médicaux. Oui. Donc, il faut vous expliquer qu'elle a des gros soucis de santé. Euh, euh, moment elle moment. a des problèmes de cœur, donc euh, sa, santé est assez... ouais, <laughs> sa santé est assez fragile. Et justement, euh, on refusait de l'emmener à l'hôpital parce qu'elle refusait de porter son voile obligatoire, et évidemment, euh, trois fois d'affilée, on a refusé. Elle, elle a continué à refuser de porter le voile, mais finalement, Victoire, sa bon, santé n'était pas au top, mais elle a réussi à être emmenée sans son voile obligatoire. Elle a ses médicaments euh, Ça Non. Non, a priori. C'est toujours assez compliqué. Ouais, c'est ça. Et ça, il y a une dicton qui dit, enfin une expression qui dit, le gouvernement iranien quand ils n'ont pas envie de se salir les mains, ils donnent pas les médicaments, justement, prisonniers prisonniers. Mmh. Pour tuer en silence, quoi. C'est ça. Ça rappelle un peu Navalny en Russie, Exactement. évidemment. C'est ça qui vient de se produire. Alors, le texte de Narges euh, Mohammadi paréché Albin Michel, ça s'appelle Torture blanche. Kiana et Ali, je vous remercie d'être venus tous les deux ce matin au micro de France Inter. Vous manquez un petit peu le lycée ce matin Oui. oui. C'est pas si grave. Moi, bien bien. Nous, notre lycée est très très compréhensif. On a nos vrai. professeurs sont très très gentils. Oui. Et la direction est quand même très très, très compréhensible. Ouais. Et bien bah, c'est normal. Et bien bah, bonne journée à tous merci, les deux. Merci, c'est gentil. Et merci Sonia de Villers.